roman s'appelle « Comment tu parles de ton père ?» et ça raconte les 8 jours de l'agonie de mon papa à Nice il y a 2 ans. Bizarrement, c'est un livre qui n'est pas seulement triste, puisqu'à l'occasion de sa disparition, je me suis rappelé de toutes sortes de choses qu'on a fait ensemble, lui et moi. C'est-à-dire, lui m'a traumatisé, moi je l'ai désespéré, lui a essayé de me rendre religieux, et voilà. Enfin, je raconte tout ça... parce que c'est banal de perdre son père autour de 40 ans, parce que quand j'étais petit, ma mère est décédée avant que j'aie 4 ans, et ça a été un deuil très littéraire, très, je dirais pas joyeux, mais dont j'ai tiré beaucoup de livres, beaucoup de dessins. Je voyais bien à quel point être orphelin dans l'enfance, c'était inspirant. Et malheureusement, perdre son père autour de 40 ans, c'est pas inspirant du tout, c'est banal. On se réveille comme après un reboot d'ordinateur, on se dit mince, j'ai passé toute ma vie à essayer de d'épater mon père pour qu'il soit fier de moi. Maintenant qu'il est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me bagarrer contre qui? Donc c'est un... Je ne sais pas si c'est un roman, sans doute qu'il y a beaucoup d'histoires, parce que ça raconte des souvenirs avec mon père et des souvenirs avec mon grand-père maternel, qui était un peu l'antidote. Mon père, c'était un juif religieux d'Afrique du Nord, très macho, très un peu Don Draper dans Mad Men, mais en croyant. Et mon grand-père maternel, c'était un anard, anarchiste, provocant, rigolo, qui détestait la religion, qui détestait tout, qui se marrait tout le temps. Et c'est un peu la lutte de ces deux grands machos, avec moi au milieu, petit garçon complètement dépassé. Et je me réveille à 45 ans en sachant pas beaucoup plus. Voilà, donc c'est un petit livre où j'ai aucune réponse face à cette emmerde qui consiste à perdre son père autour de 40 ans. J'avais pas du tout envie de m'exprimer, je me suis retrouvé avec une énorme conjonctivite ou je sais pas quoi, qui fait que je pouvais plus dessiner, et du coup j'arrivais qu'à écrire ça. Je l'ai écrit très vite après le décès de mon père, mais par contre j'ai mis 2 ans à accepter de le publier. Pendant 2 ans, on l'a retravaillé, on l'a trituré avec mon éditrice. Et le faire, c'était facile, le publier, c'est un peu plus compliqué. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de garder les passages tristes dans mes livres, par exemple. En général, j'ai toujours envie que tout le monde se marre. C'est un livre où, sans doute, il y a quelques passages un petit peu tristes que mon éditrice m'a presque contraint à conserver. Et en fait, je crois qu'elle a bien fait, parce que aujourd'hui, certains lecteurs me parlent de mon père comme s'ils le connaissaient. Et ça me plaît beaucoup. Quand ils disent, tiens, bah, André Sfar, il aurait pas fait ça. Et moi, ça me bouleverse, parce que je me dis que s'il y a une petite réussite dans l'ouvrage, c'est que j'ai réussi à leur donner le sentiment qu'ils avaient passé un moment avec lui, et ça je me dis que si c'était pour lui rendre un hommage, c'est peut-être pas loupé, quoi.